le président national. Ok. Je suis l'apôtre Elo, apôtre de la région de la Nyébitiassa, en même temps apôtre de tutelle de la jeunesse nationale de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Chaque année, nous faisons notre retraite spirituelle avec le bureau de la jeunesse nationale. Nous sommes à la 7e édition et c'est la ville de Tiassalé qui a été choisie pour cette retraite spirituelle. Depuis le jeudi, nous avons fait l'ouverture. Vraiment, ça a été un moment fort d'enseignement. Pendant des heures, les hommes de Dieu sont passés et le peuple, la jeunesse a été impactée par les enseignements. Ça a été un moment de transformation, de bénédiction pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'ai été le dernier orateur. J'ai parlé de la percée financière et le Seigneur m'a utilisé afin de booster les jeunes à ne pas compter sur les hommes, à ne pas compter même sur le pays, parce que le pays compte. Le pays, il faut que ces jeunes-là soient des créateurs d'emplois. Voilà, ça n'est qu'un emploi. Et je les ai demandé d'avoir une grande vision, d'avoir un rêve et de compter sur Dieu pour cette réussite. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces nombre de personnes qui sont venues de partout. Ça a été un moment de bénédiction. Et je suis très heureux et je crois que l'année prochaine encore, ça sera pareil. Nous allons faire plus grand que ce que nous avons fait ici à Tiassalé. Que Dieu vous bénisse.